C'est ainsi qu'une vieille femme le trouva un matin dans un port lointain, roulé comme un paquet vivant contre une barque délavée. Alors le petit garçon secoua l'immense couverture bleue et toutes les larmes qu'il avait versées jour après jour tombèrent. Une vraie rivière se mit à couler entre la vieille femme et le petit garçon. N'aie pas peur. Attention à ma poupée, dit Clarisse. Elle dort. Pendant quelques instants, le vent se calme et fonce sur la fenêtre qui éclate en morceaux. La tempête est entrée dans la chambre. Des bourrasques glacées font voler la chaise, le tricycle, le théâtre de marionnettes. Papa décide d'aller chercher des provisions. Il pleut et ça peut durer longtemps. Le lundi matin, quand je me suis levé, papa n'avait pas préparé le petit déjeuner. Il crapouillait dans le lit, encore en pyjama. Il était devenu tout gris, tout grache, tout veule. Je voulais m'amuser, aller au parc avec ma sœur, mais le crafounia a fermé les rideaux. Et ma sœur a crafounié toute la journée au téléphone. Elle est devenue toute grise, toute grincheuse, toute velue. J'ai joué de la musique et j'ai fait le clown pour les réveiller. Papa, maman et ma sœur se sont mis à sourire, à rire, à rigoler. Ça n'a pas plu au crafounia. Mais si, il y a ces deux pieds. Tu vois, un pied, moi. Un pied. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas d'argent. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville, ainsi tu auras de l'argent et tu seras heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir et l'arbre devint triste. Je regrette, mon garçon, dit l'arbre, mais il ne me reste plus rien à te donner. Je n'ai plus de tronc, dit l'arbre. Je ne peux plus y grimper. Je suis trop vieux et trop fatigué pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je suis navré, soupira l'arbre. Mais je n'ai plus rien, je ne suis plus qu'une vieille souche. Approche-toi, mon garçon, assieds-toi. Assieds-toi et repose-toi. Ainsi fit le garçon. L'arbre fut heureux.